Et voilà, j'ai fabriqué une vague. Ça va être super joli si on la met à côté de l'aquarium. Je vois que tu as fabriqué une jolie nageoire de requin, Léo. C'est une vague, Coxigru. Mais tu as raison, ça ressemble à une nageoire de requin aussi. Oh, prends garde, Coxigru. Tu imagines si la cour était remplie de requins? Oh, je sortirai de l'eau tout de suite. Tu travailles bien, Léo? Formidable. En route, Coxigru, on doit aller en ville. Fais bien attention aux méchants requins. Je ferais mieux de ranger ce bazar. Hey, où j'ai laissé mon téléphone? Ha ha, le voilà. Ouh, attention, je ne dois pas mettre les pieds dans l'eau. Ouh, hop, hop. Oh, 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 c'était moins une. Allez, je reste en équilibre. Vous ne m'aurez pas, les requins. Oh, oh, mon téléphone. Oh, il faut que je décroche. Oh, 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 ça m'a l'air risqué, mais je me lance. Oh, 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 oh. Allô, Léo à l'appareil. Salut Léo, c'est Bob. Alors, ils t'ont eu ces requins? Coucou Bob. Et les lions, t'y as pensé? Les lions? Oh, c'était une blague. J'avais compris. Oui, c'est ça. De toute façon, les dinosaures font peur aux lions. Hein? Oh, oh Bob. Bob. Oh, parfois j'ai l'impression d'avoir besoin de trois mains.